Bože, to se nije smjelo dogoditi. Katastrofa. Strašno, mislim da se jedan čovjek u zemlji ne osjeća slobodno. Mislim da će biti posljedica po budućnost Srbije posle ovoga? Ne, ali očekujem da vlasti preuzmu akciju kakvu treba i da konačno kriminal nestane sa ulica. Pozivam vas da minutom ćutanja odamo počast i poštu tragičnom preminulom dr. Zoranu Đinđiću, predsjedniku Vlade Republike Srbije. Neka mu je večna slava i hvala. Zoran Đinđić a été à bien des égards le symbole du nouvel état démocratique qu'est la Serbie. On se souviendra en particulier de son engagement personnel en faveur d'une réforme démocratique en Serbie et de son rôle dans l'arrestation et le transfert de Slobodan Milošević devant le tribunal pénal de La Haye. Au nom du Parlement européen, j'adresse mes sincères condoléances à la famille de M. Zoran Đinđić, à ses amis et au peuple serbe. Chers collègues, je vous propose de respecter une minute de silence.